Recherche fuite dans une maison, on est dans le sous-sol, où on a le long des plinthes ici, sur la dalle de l'eau qui ressort par temps de pluie. Donc les murs ne sont pas atteints, c'est uniquement le sol. On a également ici de l'eau là qui ressort. Voilà, donc on va aller à l'extérieur. On a fait un test de pression au niveau de l'alimentation générale d'eau. Donc on n'a pas de fuite. L'analyse de l'eau a permis de constater que c'était bien de l'eau de puits. Et à l'extérieur, on a fait un passage de caméra au niveau des regards, au niveau des évacuations pluviales, en faisant des mises en eau. Donc déjà, au niveau de ce regard ici, alors tout au fond, on est à une profondeur de pratiquement 3 mètres. On a de l'eau qui ressort par le drain, donc qui nous signale donc effectivement un problème de canalisation. Ici, on a fait les passages de caméra, rien à signaler. Par contre, voilà, on fait un passage de caméra dans l'autre regard qui se trouve ici. Voilà. Et au niveau donc de la caméra ici, on a une fissure, une cassure importante au niveau, voilà, du PVC. Et lorsqu'on va plus loin, on a carrément un bouchon et on a des cailloux, de l'herbe. Donc le PVC doit être fondu un peu plus loin. Thank you.